La Claudia, what I call my coup de cœur. Claudia happens to be the first name of one of Kimi Gourmand's owners. Yes, Kimi Gourmand, our very own first crêperie in Rwanda, located in the heart of Kimihurura. All three owners, Claudia, Fanny, and Larissa, are longtime friends who used to bake crepes whenever they had gatherings at their respective homes. Then one day, it hit them. Why not open a crêperie in Kigali, especially since they thought it would be a huge hit with the lack of French crepes in the city as we know them? Nous sommes trois amis et ça fait longtemps qu'on a un projet, qu'on aimerait faire quelque chose autour de la restauration à Kigali parce qu'on aime beaucoup faire manger nous personnellement. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout simplement sur, cette maison là qui s'est libérée, qui habite, où Claudia habite juste en face. On s'est dit c'est un local idéal, bien placé dans un quartier où il y a plein de restaurants et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et en réfléchissant, on s'est dit pourquoi pas une crêperie? Parce que c'est quelque chose que l'on maîtrise un petit peu, qu'on pouvait faire pratiquer à un cuisinier ici. Donc voilà, c'est là où on s'est lancé toutes les trois dans le projet, création, business plan, tout ça, pour en arriver jusque là où ça fait un mois et demi où on est ouvert. Two different menus are available at Kimi Gourmand. A sweet one with specialties like lentilles, and a salty one made with flour straight from France. The flour gets delivered to them twice a week. Les trois, nous aimons bien la cuisine. Et on s'est dit, bon, chacune de nous, à tour de rôle, on sait faire les crêpes à la maison, les amis apprécient. Pourquoi pas? Il faut vraiment être là soi-même. Toutes les trois, nous sommes là, à tour de rôle. Il faut du temps parce que nous faisons tout nous-mêmes, les courses, le suivi, la comptabilité, c'est nous-mêmes. Parce que bon, quand on commence une affaire, on ne sait pas si on va s'étendre beaucoup. Donc pour l'instant, on s'occupe de tout nous-mêmes, donc ça prend beaucoup de temps. Now, how has the public responded to this new hotspot, knowing this is in what you can call a local favorite? Kimi Gourmand has a very interesting variety of what we call in French crêpes. Not to be mistaken with pancakes, crêpes. The menu has such a wide variety that it caters for virtually everybody. I came to realize that it caters even for people who don't like sweet stuff. And that's why I became such a huge regular. I found something I liked here. So when it comes to gourmet cuisine, Kigali is rising up to the standard. There's a lot of very fancy restaurants and very interesting place, or interesting locations also. But Kimi Gourmand gives you the combination of the two. Right? You have very good food, it's gourmet quality, very affordable prices, and it's a very cozy place where you really feel comfortable. Only time will tell how the everyday Rwandan will respond to this imported good. Regis Isheja, Rise and Shine Rwanda.